Allez, Paradise, non, les gars, besoin de crédit fut, les moins chers du marché sont sur GoFIFAcoins, le lien est dans la description, 5% de réduction avec le code Clopy. Eh bien salut les amis, c'est Clopy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur FUT16. Cette fois-ci voilà, on est passé de FUT15 à FUT16 entre hier et aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre les mecs, on va jouer avec Daniel Vestotti en buteur tout simplement. Parce qu'il a toutes ses stats au-dessus de 80 de général, voilà, tout le monde le sait, il a l'air monstrueux en défenseur droit, il est énorme, je ne l'ai jamais testé en buteur, autant vous dire, donc là, vous avez l'équipe avec laquelle je vais jouer, bien sûr, pour le collectif, donc je vais mettre Karim Benzema en titulaire, et dès que le match va commencer, je vais faire ce changement-là, voilà, je vais mettre Dani Alves à la place de Benzema pour qu'il ait 9 de collectif pour voir ce qu'il donne. Parce que regardez quand même les stats qu'il a, 93 de vitesse, 80 de tir, 88 de passe, 91 de dribble, 90 de défense, 82 de physique, 1m72, voilà. Franchement, il y a moyen de claquer des buts, il y a moyen de claquer des buts sévères et il y a moyen de s'amuser, voilà. C'est une vidéo pour le fun comme d'habitude, voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo avec toutes les légendes de hier tout simplement. Et puis on va essayer de s'amuser avec cette équipe là dès qu'on a un adversaire en match simple. Alors on a trouvé un adversaire, oulala, une belle équipe avec Odegaard, si ça se prononce comme ça, Marcelo Totti. Et une attaque des Spurs, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc voilà, comme prévu, on fait le changement tout de suite, hein. Benzema il va sortir, il va laisser sa place à Dani Alves, 92 comme vous le voyez. Voilà, on peut vite regarder les stats, hein, si vous voulez, vraiment rien à dire, regardez, il n'y a pas de rouge, je pense pas qu'il y ait du rouge, il n'y a que du 90, c'est abusé. Bon après, les stats de gardien, ils sont en rouge, normal, voilà, vous pouvez faire possible, si vous voulez, coup franc puissant, ok, on va essayer de claquer un coup franc si on en a un, et sinon on va essayer de marquer tout simplement. Donc forcément, on va falloir sortir le ballon, sinon il sera pas dans le match, donc on va sortir le ballon, voilà, et maintenant, il est là, regardez, il est où? Le voici. Numéro 2, Dani Alves, on est là. Il n'y a pas de rage kit. Pas de rage kit tout de suite. Hein. Pas de rage kit, pas de coupure, rien. Hop, ça y est, ça a planté. La connexion a lâché, j'annonce. Bon, voilà, j'espère que ce match, on va pouvoir le jouer. Très belle équipe, hein. Il y a beaucoup de boost. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a Doumbia en attaque. Mais tranquille, ça va le faire, j'espère. Voilà, donc maintenant il rentre en jeu, j'espère qu'on va pouvoir jouer quand même. Et voilà, Dani Alves, il a perdu le ballon. On obtient un coup franc ou pas? Ouais, on obtient un coup franc, on va faire tirer Dani Alves. Il a les stats qu'il faut. On va essayer ça. C'est contré, dommage. Sergio Busquets, allez, pressé. Il est pas hors jeu, il est pas hors jeu, il est pas hors jeu, il est pas hors jeu. Dani Alves, et ça fait 1-0. Mais bien sûr qu'il est là, Dani, bien sûr. Rafinha, Ressé, Rafinha, pour Dani Alves, il s'est fait sécher, c'est pas grave, on est toujours là, Dani Alves, la loup, oh là 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 là. Quand je vous ai dit qu'il était monstrueux, je pensais pas, franchement je pensais pas à ce point, là je me suis dit vas-y on frappe, on verra bien si elle retape bien, franchement en pleine lucarne, on retente. Oh, 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 je la voyais dedans celle-là. Très beau tac. Ouais, on s'en sort bien, on s'en sort bien, nickel. Dani Alves. Dani Alves. Dommage, 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 dommage. Passe pas trop trop loin non plus. Mais bon, on tente, hein, on est là pour tenter. 6 tirs, 2 buts. On est à la 38ème minute. Tout va bien. Ça c'est son but d'avant, magnifique. Attention, attention à Serge Aurier. Le poteau, attention quand même être méfiant. Allez, vas-y, continue, va au bout. Putain, il a fait un massacre, il a fait un massacre. Attention à ce coup franc, ça peut être dangereux s'il la décale. Eh, Iniesta, il nous sauve le ballon, il met juste le genou, il met juste le genou. Il est là. Il est encore là. Dani Alves lâche une lourde. Ouh. Dommage. Bon, l'angle, il était bloqué. Hein. Il est là, il y a coup franc. Il y a coup franc. Il y a coup franc, il est très très près. Il est pour Dani Alves, il est très très proche. Est-ce qu'il arrive à donner assez d'effet? Ah non, 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 elle va au-dessus. Elle va au-dessus, ouais, c'est...
Pour Messi, ça aurait été parfait. Daniel Alves, et le triplé quand même, le triplé s'il vous plaît, Daniel Alves. Franchement, top, hein, tip top, rien à redire. C'est un massacre, c'est un vrai massacre. Alors le mec rage quitte, hein. Faut savoir qu'il rage quitte, on est à la 90e, on est à la 90e, vous l'avez vu quand il a marqué. Voilà, triplé Daniel Alves, on fait rage quitte quelqu'un, franchement on peut pas faire une vidéo mieux que ça, clairement. Pour montrer que la puissance de ce joueur est ouf. Voilà, Daniel Alves buteur, un vrai massacre. Likez au maximum si vous kiffez ce genre de petites vidéos. Voilà, si vous voulez que je teste d'autres joueurs en buteur ou alors à des postes qui ne sont pas leur poste de prédilection. Voilà, bref, on va arrêter de parler. Explosez-moi la barre de likes si vous avez kiffé, surtout pour ce triplé. Voilà, magnifique. Il y a même un petit mini long shot au début de vidéo. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. C'était Clobby, prenez soin de vous. Bye tout le monde.